Oui, Hubert, je suis à l'hôpital. Et rappelle-moi le nom du docteur. Bien, merci. Docteur? Oui. Je cherche un certain docteur. Oui, docteur Jasmine. Je suis le docteur Jasmine. Ah, ça tombe bien. Bon, pas la peine de me présenter puisque tout le monde sait qui je suis. Mais qui vous êtes ne m'intéresse pas. L'important pour moi est de savoir ce que vous me voulez. Bien. Je suis la mère d'Angelore Magloire, une de tes patientes. Ah. C'est vous. Et alors? Bon, docteur, ce que j'ai à vous dire est très urgent et top secret. Il n'y aurait pas un endroit plus discret où l'on pourrait se parler, comme par exemple dans votre bureau. Dans ce cas, il fallait prendre un rendez-vous. Là, maintenant, je travaille. Et mes patients ne peuvent pas attendre. Au revoir, madame. Et pourtant, ils vont devoir attendre. Parce que vous allez m'écouter jusqu'au bout. J'ai appris que vous avez déclaré que ma fille est enceinte. Je sais que c'est un mauvais diagnostic. Parce que ma fille n'est pas enceinte. Ma fille ne saurait être enceinte. Vous allez devoir rectifier votre erreur. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Parce que je suis prête à payer le prix qu'il faut. Votre fille, madame, si le mot est juste, est majeure que je sache. Alors, qu'elle soit enceinte ou pas, la décision lui revient. Au revoir. Vous faites un pas de plus et vous allez le regretter. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Et ouais, quand on va regarder là, quand on va regarder là, je vais acheter tout l'hôpital, ça lâche en comptant. Juste pour me faire vivre au cours. Sous qu'on sort pour un petit docteur charlatan. Conforme, oui. Ah! Quel est votre prix? Je suis le docteur Jasmin Vermeil, chirurgien traumatologue. Je ne suis pas un fonctionnaire d'État, et vous savez pourquoi? Parce que travailler avec des corrompus tels que vous me donne de la nausée. Ah bien, mettre le ton m'a parlé. L'agence ne m'a pas acheté. Mais s'il vous reste encore un peu de chuchote, utilisez cet argent pour un bon bagage sérieux, autorité que vous êtes. Hein? Si ça me sentait payé, après je vais disparaître. Maladie, médicaments, population en besoin. Pour traiter maladie chronique, yo, pas disponible. Utilisez l'agence là pour régler un bagage sérieux. C'est son merde de santé, mon tonnerre. Et pas permettre. Pas permettre. Attendez, et pas tout ça. Respecte. Papa, grand monde, pas permettre de faire photo. C'est quoi passe là? Pas me téléphone là. C'est ça, non, mon chéri. Pas venir prendre. Venir prendre, non. C'est qu'à passer là. T'aimes Zou. Ouais, ou bien 2 heures de temps. Vous entendez ça, Zou là? 2 heures de temps pour retirer le caca sans savoir ça qui est dans votre petite moyen. Il y va de l'avenir du pays. Sinon? Ma propre parler pour prendre sa belle façon. Caca ou pas là? Même pas parler caca. Tu veux caca ou pas là? Et puis, docteur, au revoir. J'attends ton appel. J'allais oublier. Je ne suis pas dans l'annuaire. Débrouillez-vous pour trouver le numéro de ma secrétaire.